Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur une agriculture réaliste. Et du coup, eh bien aujourd'hui on va se faire un petit peu de vente de blé. Du coup, alors avec la mise à jour du mode saison, je crois que la vente a changé. Et d'un côté tant mieux, hein, je dirais. Je vais vous montrer ça après. Alors attends, il y a un problème là. Un petit souci, mon capitaine, je suis pas dessous, je crois. Hop. Attends. Pardon, donc il y a eu un petit bug, je sais pas ce que je sais pas de quoi ça vient, mais enfin bref. Du coup, le mode saison qui a changé, pourquoi? Parce que tout simplement, avant, vous savez, depuis le début de la carrière, on faisait la vente du blé, de l'orge et du maïs, toujours. Ah bah là, on va pouvoir la faire. Toujours là au milieu de l'hiver, alors que maintenant ça a changé. Donc là, étant donné qu'on reste avec trois cultures, bon voilà, c'est pas forcément très compliqué. Mais en tout cas, l'orge, ça a changé. Maintenant, c'est le début de l'hiver. Donc, la veille, doutez-vous bien que les prix n'étaient pas les mêmes. Donc, je me suis fait un peu couillonner. C'est pour ça que maintenant, il faut regarder un petit peu tous les jours. Mais voilà, la courbe, elle change au fur et à mesure des jours. Et c'est vrai que bah, je trouve ça pas mal. C'est plutôt une bonne idée. Donc, j'ai lavé le tagazou. Hein. C'est pas la pluie qui l'a lavé, c'est moi. Le blé, 1269, à Gravis. Gravis, c'est pas à côté de chez nous, je crois. Si, c'est là. Ok, bon, on va déjà emmener la première à Gravis qui est juste à côté de chez nous. Voilà, tout simplement. Donc apparemment, voilà, ça change tous les jours quasiment maintenant. Donc c'est quand même pas trop mal. Je suis assez fan de ce contexte-là parce que c'est vrai que d'habitude, tu vendais toujours au même moment et tout. Donc bon, c'est un peu limite, mais voilà. Donc ça, c'est bien. Pour ceux qui recherchaient le lait, donc vous me permettrez de faire une semi-pause là-dedans. Donc le lait, vous le vendez ici. Simplement. Donc vous allez à Gravis et la bouche d'entrée, elle est ici. Voilà, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Donc voilà. Par rapport au mode saison, j'ai pas regardé les autres changements. Hein. Doutez-vous bien que. Hop. J'ai pas tout regardé encore. Pareil, le combiné, j'ai pas eu le temps de tester tout ça. Donc il faudra que je le fasse. Et puis voilà, tout simplement par rapport aux mises à jour. Et du coup, je vais venir sur un deuxième sujet qui est la map de LBDT. Puisque vous êtes déjà plusieurs personnes à me poser la question, pourquoi elle est plus sur le site. Alors je sais que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé, mais voilà, vous êtes plusieurs à me poser la question, pourquoi elle est plus sur le site et est-ce que tu peux me la donner. Et je vais apporter une précision là-dessus. Donc elle est plus sur le site parce que quelqu'un a pris la map, ou plusieurs quelqu'un apparemment. Donc voilà, j'ébruiterai pas la polémique parce que j'en sais rien, mais il me semble que c'est plusieurs quelqu'un, et peu importe, hein. Pris la map tout simplement. Donc bon, elle est en libre service, donc voilà, hein, tu fais ce que tu veux, tu la télécharges, tu veux, si tu veux la modifier pour toi, tu fais ce que tu veux, etc, etc. Mais c'est permis de la modifier, on va dire, très peu, voilà, hein, c'est pas comme si tu avais refait la map en entière. Et la réupload sous alors je sais pas si c'est sous son nom ou si c'est sous un nom pour pas qu'on le voit. Je pense que ça doit être ça, parce que autrement, doutez-vous bien qu'il est un peu bebe, voilà, hein, pour parler méchamment, il est un peu bebe s'il fait comme ça. Mais voilà, l'a réuploadé sous un autre nom. Et ce n'est pas lui qui l'a fait, puisque c'est LBDT qui l'a produit. Donc suite à ça, bah, LBDT a refusé de publier sa nouvelle version. Alors, enlever complètement la map, je n'étais pas prévu au départ. En tout cas, il m'en avait pas parlé, donc j'en savais strictement rien. Mais voilà, la toute nouvelle version n'était pas censée apparaître sur le site. Et de plus, donc Gwendal est intervenu pour dire qu'il ne sortirait pour l'instant pas grand chose sur FS19, et un autre mappeur, et j'ai oublié le nom, qui ne sortirait lui plus rien jusqu'à la fin de FS17 déjà, et après j'ai pas regardé. Mais voilà, en tout cas en ce qui concerne FS17, c'est terminé. Donc en voilà déjà 3, et puis depuis je suis pas retourné voir. Donc si ça se trouve, il y a d'autres mappeurs ou modeurs qui ont emboîté le pas pour ne plus rien sortir, tout simplement. Et du coup, c'est là qu'on vient à la fameuse question que j'ai eue. Est-ce que tu peux me donner le lien de la map de LBDT, donc la map du petit Limousin? Donc, voilà, après m'être excusé, ce qui est quand même normal, je ne suis pas en mesure de vous la fournir, tout simplement. Parce que si LBDT l'a enlevé de son site, c'est qu'il y a une raison. J'ai envoyé un message ce matin d'ailleurs par rapport à ça, étant donné que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Du coup, étant donné qu'elle n'est plus sur son site, je ne suis pas autorisé à vous la donner. Alors j'ai pas vu sa réponse depuis, mais voilà, ça me paraît logique. S'il change d'avis puis qu'il me dit si tu as des personnes de confiance, tu veux la donner, il fait. Mais sinon,
Voilà, sans être méchant, et puis vous m'en excuserez d'avance d'ailleurs, je ne suis pas autorisé à vous donner le lien de la map de BDT Gaming, parce que bah déjà ça se fait pas, hein, si, voilà, comme je l'ai dit, hein, s'il l'a enlevé, c'est qu'il y a une raison. Et je ne... comment dire ça, voilà, je n'enfreindrai pas les règles en quelque sorte, parce qu'autrement c'est comme si je ne valais pas plus que ceux qui ont... Et la map, tout simplement. Donc, voilà. J'espère que vous comprendrez. Les premières personnes ont compris gentiment. Une personne parmi vous est assez en colère. Alors, pas contre moi ni contre BDT, mais contre le fait que quelqu'un a piqué la map. Et ce qui est tout à fait normal. Hein. Je pense que on peut tous être. Bon, alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, moi, je suis pas trop dans le truc, mais c'est vrai que c'est quand même con. Autant vous dire que c'est pas parce que je m'entends bien avec LBDT et que j'ai déjà causé, que j'y cause encore, que moi j'ai eu le lien de la map, hein, pas du tout. Je préfère vous préciser la chose. Moi je n'ai pas eu le lien de la dernière map. D'ailleurs je ne lui ai pas réclamé, ce qui est quand même logique. Mais voilà, c'est juste pour préciser que moi j'ai pas le dernier lien de la map, j'ai pas la nouvelle map, et puis j'ai conservé alors je sais pas si c'était la dernière version ou l'avant-dernière, enfin la version sur laquelle je jouais, je l'ai conservé parce que j'ai dit s'il y a des changements, je repartirai dessus. Des gros changements, je repartirai dessus, histoire de vous faire quelques épisodes en plus pour vous expliquer ce qu'il rajouterait. Mais je crois que ça doit être l'avant-dernière, il me semble. Et du coup, depuis, il y a eu quelques petites installations de lumière, etc. Et là, il avait modifié pas mal de choses dans la dernière version qu'il devait amener. Et finalement, bah voilà, elle n'est pas apparue. Et moi, je ne l'ai pas. Donc, je me permettrai pas de faire des vidéos dessus. Enfin, je me permettrai pas de retourner dessus en quelque sorte. Parce que c'est vrai que bon, pour les gens qui l'ont, c'est pas un souci. Mais pour les gens qui l'ont pas, ils vont me dire, ouais, mais elle dérive d'où la map? Tu l'as eu où, machin? Elle est plus en ligne. T'as fait le lèche-queue avec LBDT, etc. Et tu l'as eu. Enfin voilà, je veux pas rentrer dans des histoires à la con. Donc pour l'instant, je vais pas retourner dessus, à part hors ligne, doutez-vous bien. Si j'y retourne. Et de toute façon, j'ai pas les dernières modifications et j'ai pas la dernière version. Donc je suis comme vous, ceux qui l'ont. Et puis bon, bah ceux qui l'ont pas, voilà. Je suis vraiment désolé, mais je peux pas vous la fournir tout simplement. J'espère que vous comprendrez. Alors si vous devez vous mettre en colère, mettez-vous en colère après ceux qui ont piqué la map et non LBDT ni moi, parce que nous on n'y est pour rien. Mais voilà, alors j'ai pas de nom à vous fournir non plus, hein. Voilà, comme j'ai dit, je me suis pas trop mêlé de cette histoire-là, j'ai demandé à LBDT s'il avait des noms, juste comme ça pour savoir si c'était fin de mes connaissances, voilà, en quelque sorte si c'était des noms que j'avais déjà entendus ou pas. Il m'a dit qu'il était pas sûr, qu'il avait des doutes, du coup je suis pas allé plus loin parce que déjà c'est pas mes histoires, c'est pas mes affaires et je dois pas m'en mêler, sinon vous savez très bien ce qui arrive sur internet. En règle générale, quand tu te mêles des histoires, tu finis par rentrer dedans pour une bonne ou une mauvaise raison, et ensuite voilà, ça a des répercussions. J'ai déjà vécu auparavant, hein, doutez-vous bien que c'est pour ça. J'ai pris parti j'ai pas eu de problème parce que bon, parce que je suis pas quelqu'un de connu. Je pense que j'aurais eu plus de problèmes si on était 50 000 aujourd'hui ou peut-être plus que ça. Mais voilà, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. De toute façon, c'est nous qui avions raison de mon côté à moi. Mais voilà, j'ai pris parti, mais après je me suis dit que, et avec les conseils de papy d'ailleurs, qui m'a bien conseillé enfin il m'a tout simplement dit ne prends pas parti parce qu'après tu vas être emmerdé aussi. Donc voilà, j'ai préféré stopper. Mais voilà, doutez-vous bien que je suis du côté de BDT pour le coup. Je peux l'annoncer haut et fort, mais je vais pas m'amuser à aller chercher le caca partout. Et après que ça porte en cacahuète. Et après, on n'en finit jamais. En fait, c'est surtout ça le problème. Donc, on va monter à la raffinerie cette fois-ci, juste au-dessus. Ça tombe bien qu'il n'y ait plus qu'une benne après parce que ça commence à descendre assez gravement. Hop. Et on referme la porte. Autrement là qui vont pas être très contents. Et c'est reparti mon kiki. Donc voilà, tout simplement pour ceux qui ne savaient pas, pour la map de BDT. Est-ce qu'il va la remettre? Je sais pas du tout. D'ailleurs, s'il m'a répondu et que j'ai l'occasion d'y demander, j'y demanderai pour vous, c'est pas un souci. Mais s'il l'a enlevé, c'est qu'il y a une raison. Et je sais pas s'il va la remettre. Donc voilà, on verra tout simplement. Alors voilà, pour clore un petit peu le sujet, je sais, c'est dommage et ça fait chier tout simplement, mais bon après. Ça, il y en a toujours eu et il y en a de plus en plus qui piquent les maps et qui font leur petite popote dans leur coin et
upload la map sous leur sous un autre nom, ah, pas sous leur nom parce que moi là comme je vous ai dit on va les capter, mais qui upload ça sous un autre nom et puis après bah voilà hein, ça prend des envergures et ça part en cacahuète et c'est comme ça que tu démotives bah, les vrais mappeurs et les vrais modeurs hein, tout simplement. C'est triste mais c'est comme ça. Et ça, on n'est pas à l'abri d'en avoir encore. Hein. De plus en plus. Et puis, vous savez, ils ont aucun remords. Hein, c'est, j'allais dire ces gens-là, mais ils ont aucun remords, ces bêtes-là. Hein. C'est un peu des imbéciles, mais bon. C'est pas qu'un peu, c'est complètement des imbéciles. Mais ça, ils verront plus tard quand bah, ils seront les seuls, on va dire, à modder et à mapper. Et s'ils nous apportent un résultat à ce moment-là, ceux-là, je pense que... Voilà, le résultat va être bref et ce sera très loin du niveau de des mappeurs confirmés qu'on connaît aujourd'hui et nous qui ressortent le plus en tout cas. Donc voilà, tout simplement. Et nous de notre côté, alors c'est pas officiel hein. Mais bon, je vais vous en parler comme ça parce que je sais pas s'il aura le temps ou non. On a Chris qui va peut-être se lancer un petit peu là-dedans. Il a envie de voir un petit peu ce que c'est, faire quelques petites modifs pour nous arranger, vous savez, par exemple sur des... Ah voilà, je parlais de modifications, par exemple, n'importe quoi sur un crater, rajouter un gyrophare, des petites bricoles, mais ensuite, doutez-vous bien que si bricole il y a sur du matériel qui est en mode, ça veut bien dire que ça ne sera pas sur Internet et que ça restera pour nous. Dans ces cas-là, je pense que personne n'y verra d'inconvénient en tout cas. Mais voilà, ça restera pour nous. Et s'il s'en sort bien, peut-être que jamais, hein, si toutefois il se lance là-dedans. On verra, mais on en a parlé rapidement et il m'a dit que ça l'intéresserait bien de tester ça. Donc il a tout mon soutien. Et puis on verra ce qu'il arrivera à nous pondre. Ah, j'ai dit je l'aiderai bien. J'essaierai bien de comprendre aussi. Le seul problème c'est que voilà, vous me connaissez, j'ai pas du tout la patience. Alors, la patience, c'est une chose, mais je suis fumeur, donc écoutez-vous bien quand je patiente ou quand je fais pas quelque chose qui occupe mes doigts ou qu'il faut réfléchir, etc. J'ai tendance à empoigner le paquet de tabac assez rapidement et fumer les trois quarts du paquet de tabac dans la journée parce que bah voilà, c'est un truc où il faut être patient, c'est un truc où il faut alors pas mal réfléchir, faut réfléchir un petit peu pour tout, mais voilà, là faut vraiment réfléchir. Ah, comment tu veux faire, enfin voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Donc tout ce qui est petit truc comme ça, moi c'est pas vraiment mon dada, donc voilà. J'avais dit qu'on vendait quoi ce coup-là, le maïs je crois, un peu. Je vais revérifier au cas où, hein, parce que vous savez j'ai une cervelle de mono et ça va très rapidement. Donc nous voilà à 188 000. On est quoi, 1000 vidéos à peu près, peut-être à peine plus. Donc pour ceux qui sont encore ici, parce que vous savez il y a pas mal de gens qui partent dans les 10 premières minutes. Est-ce que vous voulez que je mette le mode pour que les animaux coûtent moins cher? Ou alors est-ce que vous voulez que je laisse comme ça parce que la prochaine fois on va acheter tout simplement les moutons et on va promener un peu du mouton puisqu'on va arriver dans la saison où les moutons vont produire. Donc voilà, tout simplement c'est juste pour vous demander ce que vous en pensez. Ouais le maïs. Hop. Oui, parce que je vais pas faire un voyage pour 7 tonnes, ça vaut pas le coup. Hein. J'aime autant remplir la machine. Pardon. 1500, 1800, country rad. Ok. Et bien, on va repartir au country rad tranquillement, histoire de gagner un peu plus de sous. Donc voilà, vous me redirez si vous voulez que je mette le mode sur le serveur ou non. Je m'en occuperai ce week-end si j'ai vos avis assez rapidement. Bon, c'est vrai que la vidéo elle va pas arriver très tôt ce samedi. Hein. Et pas, on va dire que j'étais un peu fatigué de ma semaine et que là j'ai profité pour me reposer un peu ce matin. Et du coup, après, je me suis posé devant l'ordi et enfin, voilà, vous connaissez la chose hein, à force. J'ai tendance à me concentrer sur ce que je fais et puis j'ai complètement zappé de faire une vidéo donc vous m'en excuserez. Donc oui, parce que j'ai bien évidemment vu qu'il n'y a rien à bouffer, les vaches coûtent le camp et ça a été trois fois le cas hier, dont une fois 11h-20, enfin à 22h40 si vous préférez. Donc là il y a toujours ce problème là
Oui, genre de bricole, quoi, par exemple, si Chris arrive à nous pondre un truc où tu peux éviter que les bagnoles fassent ça, ça serait bien. Le genre de petit bric de petite bricole, puis voilà. Je vais pas pouvoir passer si. Bon, là, bien évidemment, c'est pas très réaliste, mais bon, les voitures qui restent bloquées comme ça, je vais forcer que ce soit très réaliste non plus. Donc, je fais comme je peux, hein, tout simplement. Hop. Donc, je sais plus ce que je disais par rapport à ça. Oui, par rapport aux vaches. Donc, 22h40 hier soir, donc je suis un peu rentré à 11h30. Donc, c'est un petit peu compliqué, quoi. Un petit peu compliqué. Et puis on a beau donner tout ce qu'on peut, hein. Maintenant on a mis une cage, alors je parle des vaches laitières, hein, mais maintenant on a mis une cage avec une botte plus de l'ensilage, donc doutez-vous bien qu'elle continue de foutre le camp, et c'est pas mal décourageant. Ah, si ça va pas le prochain voyage, on fera le tour, hein, tant pis, hein. Je vais pas avoir le choix. On en fait une dernière ensemble et puis après on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc ouais, en fait, j'en avais déjà parlé, mais les voitures, elles ont un chemin bien précis, ou alors plusieurs chemins bien précis, et celles-ci se croisent à cet endroit-là. Donc c'est vrai que quand tu fais le test, si les deux voitures n'arrivent pas pile poil à la même seconde pour se pendre comme elles ont fait là, tu peux pas le voir. Et depuis, pourtant, alors je crois que ça le faisait déjà dans la première version, mais depuis pourtant il a fait des mises à jour, mais il a pas dû voir ça. Ou alors peut-être qu'il a pas fait attention, je sais pas, enfin voilà, peu importe la raison. Mais quand elles se croisent pile poil au bon moment, et ben ça donne ce que ça a donné là. C'est-à-dire que c'est bouché et puis toutes les bagnoles s'empilent. Donc c'est vrai qu'ailleurs t'as pas forcément beaucoup de circulation, hein, parce que on va pas dire que toutes les bagnoles sont là, mais quasiment. Et du coup, ce qui fait un énorme bouchon à cet endroit-là. Donc c'est un peu couillon, mais c'est comme ça. Ça arrive, hein, ne blâme pas un mappeur sur une petite erreur. Quand je vois la map qui nous a pondu quand même, franchement je vais pas me plaindre du tout. Parce que celle-ci j'aurais déjà torché. Hein. C'est la deuxième carrière qu'on fait quand même dessus. La première, alors pour les plus anciens j'allais dire, mais pour ceux qui étaient là avant, peut-être pour ceux que ça intéresserait de retourner voir, hein, dans mes vidéos si vous les trouvez. Donc on avait fait une carrière dessus. Donc on était 4 exploitations. Alors chacun se débrouillait. Donc moi j'avais celle-ci déjà, je me rappelle. Papy avait celle au-dessus du champ 46. Maquet avait une dans le village. D'ailleurs, on va passer à côté, je vous montrerai. Et puis Chris et Aaron étaient vers le champ 2 et 3. Et du coup, chacun se débrouillait. Alors, on pouvait, si on voulait, passer un petit peu en mode ETA. Donc voilà, on se débrouillait avec le prix pour faire, on va dire, un petit peu d'RP en quelque sorte, un petit peu de réalisme. Mais voilà, normalement chacun se débrouillait avec son boxon. Et du coup, alors en ce qui concerne la banque, donc on avait pris le money cheat. Donc au-dessus à droite, il y avait peut-être 6 millions ou 7 millions en banque. Et du coup, on avait fait un tableur à côté. Enfin, un tableur, j'ai plus le nom. Enfin bref, on avait fait un tableau à côté. Et à chaque fois qu'on vendait une benne, donc on faisait le calcul, maquet, il était là. Voilà. On faisait le calcul et nous on remplissait par exemple ce qu'on avait en banque etc. etc. Et vu qu'on n'a pas la on n'a pas le je sais plus comment ça s'appelle là pour avoir chacun son compte sur Farming, la séparation de compte, voilà. On l'a toujours pas d'ailleurs, mais enfin si, on l'a en mode maintenant, mais à l'époque on l'avait pas. Et du coup on s'est débrouillé comme ça. Alors ça avait bien fonctionné. Papy, ça l'avait fatigué un petit peu de faire toujours la même chose. C'est vrai que c'était beaucoup des céréales, bah, comme je fais là tout simplement, mais c'était beaucoup des céréales. Et puis c'était pas facile de s'agrandir, parce que c'est vrai que la partie où on l'avait mis en normal ou en difficile, je crois, peut-être en normal, je sais plus du tout, enfin bref. Et c'est vrai que c'était pas vraiment très facile de s'en sortir, mais c'était une bonne carrière quand même. Moi j'en garde des bons souvenirs. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. N'hésitez pas à me redire pour le mode, pour que les animaux coûtent moins cher ou non. Si vous y êtes favorable ou pas. Et puis du coup, bah moi je vous dis à lundi, normalement bien sûr. Ciao!